Militaire américain a sous-sol pays d'Haïti à jeudi vendredi 20 août 2021 en façon pour qu'avine porter aide aux gens capables. Pays États-Unis fait connaître qu'il pas de pièces intention pour faire extension de cause de pièce là après séisme 14 d'août 2021. DG EDH Michel présumé décidé notamment remettre démission dans tête institution si là. Gouvernement haïtien baille bilan opération qui menait sorti 14 d'août pour arriver 19 d'août qui sont passé là sous ça qui gagne ouais ensemble avec passage séisme ça en dans pays d'Haïti. Moïse Charles lui-même bon côté parle te faut passer dans grand sud là yo façon pour te faire connaissance ensemble avec qui ça moun yo même yo besoin exactement. Sénateur Hervé Foucan lui-même bon côté parle fait connaître que moun yo vraiment dans une situation qui compliquée et difficile surtout moun qui arrivé blessé qui gè pied cassé ou bien pour être cassé après tremblement de terre si là. C'est entre autres information ça que nous portons pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la rubrique information ça. Ou même qui vient sur chaîne demande pour abonner et ou même qui sont amis fidèles TAC 609 demande pour continuer like commenter partager yo façon pour garder nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier si vous abonnez, faut que vous cliquez sur cette notification. Yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir. Dans l'interview qui t'est accordé ensemble avec La Voix, notamment conseiller président Joe Biden n'a te fait connaître que yon pas de pièce intention pour ta déployer militaire en dans pays d'Haïti après tremblement de terre 14 d'août 2021. Et bien décision lui-même li changé puisque gen environ 100 militaires qui gagne pour déposer pied yon sous sol la jodi là. Yon façon pour kavin aider déblayer ensemble avec déblayer bloqué ou tio pour aider au même yo ka passer beaucoup plus facilement. N'a praplo te gen US Guard qui te gen déjà là en dans pays ya yo façon pour te capoter aide surtout sous question médicale mais aussi aider moun yo chercher l'autre qui rete en bas de kobio. Qui donc pays États-Unis même en façon parle continuer à soutenir pays d'Haïti sous sa qui gen awe ensemble avec passage CIP ça 14 d'août qui saute passé là. Pays États-Unis même li aller plus loin pour faire connaître que li pa gen pièce intention pour lui ouvrir cause de pièce là beaucoup plus après tremblement de terre ça qui passait 14 d'août 2021 j'ai un paquet moun te getan espéré déjà qui donc c'est moun qui était dans pays a sorti 29 juillet pour arriver 3 d'août avant que document lui mité sorti qui gè capacité pour appliquer pour ti pièce si là et surtout yo gè yon frais pour payer et si yon besoin travail tout gè yon autre frais pour payer qui donc y a demandé plus information yo façon plus capable à inscrire pour TPS une fois que vous éligible et bien il y a des capacités pour résider pendant 18 mois dans pays États-Unis pour ka régler causer pour régler si yo besoin notamment rester en dans pays. Sous question élection pays États-Unis même prononcé li fait connaître que notamment yo poko connaît est-ce que oui ou non y a continuer soutenir élection pour fin année 2021 ça li même y a arrivé connaît jusqu'à ce que yo joigne qui quantité de dégâts yo connaît qui quantité de dégâts que tremblement de terre li même li arrivé causé surtout ensemble avec vide politique actuel que pays d'Haïti li même li gagné. Ça qui te vient pousser conseil électoral provisoire, mettre tout matériel lié en disponibilité, yo façon pour t'aider, mouna qui dans grand studio, et li reporter de façon sinédaille, et bien enregistrement, parti politique qui te envie à participer dans l'élection 2021, élection qui t'a supposé faite 7 novembre qui a venu là. Gouvernement pays d'Haïti a baillé bilan opération qui menait sorti 14 d'août pour arriver 19 d'août 2021. Côté nous élevé à plus de 2200 mouns qui arrivaient perdu la vie, 9900 mouns qui arrivaient blessés et plus de 245000 cailles qui arrivaient détruits ou du moins qui arrivaient endommagés. N'a pas suivre intervention si là et puis n'a pas tourné. Gagné et distribution qui déjà faite dans des zones comme un pile monde qui pensait que ni plan pas suffisamment touché. Il y a des zones comme Baradère, l'asile, Titrou, Ansavo, Arnaud, Tite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, bon, Payan, Grand Boucan qui déjà commencé à recevoir aide yo, et puis qui recevoir plusieurs aide dans plusieurs natures. Tant coup Prélat, kit alimentaire, médicaments, de l'eau, bois
et couverti, drap, rad, cabane et latrier. Et nous adressons à la nation, le Premier ministre l'a fait hier, il a insisté en pile sur ça et lancé un appel à solidarité à tout Haïtien, Haïtienne en Haïti, la diaspora, parti politique, secteur privé, société civile, li mandé pour nous font poser sous division parce que moment ça son moment d'entente nationale, son moment de grande solidarité pour nous arriver faire face à situation ça. Donc je nous dis à toute stricte l'état que le té CNE, FAES, PNH, FADH, TPTC, OFATMA, tout ce qui l'État a travaillé sur le terrain. Il y a une route qui était bloquée, donc il y a une route qui commençait à débloquer. Travail TPTC vraiment efficace dans une série de zones qui n'ont pas accès à aide là qui commençait. Depuis samedi 14 juin, nous connaissons la mobilisation en général. Première action, puisque c'est des actions que nous avons parlé. Première action que nous sommes capables de dire que nous avons mené, c'est que justement, pour porter précision, c'est volontaire des GPCO avec volontaire de la Croix-Rouge, ça peut pour les volontaires qui mettaient ensemble. Pour y porter secours, bah, moun qui était en difficulté dans la ville principale. Yo. Et automatiquement, nous avons gagné vraiment une grosse mobilisation de tout le monde dans le pays hein, pour, et tout dans la diaspora pour nous porter aide. Et certainement, je suis capable de dire que nous avons gagné tout une grosse mobilisation de bon côté et en pile entreprise dans le secteur privé qui mettait ensemble et qui portait des supports pour permettre nous opérationnaliser réponse ça et nous gagne des pays amis parce que le ministre a cité là tout à l'heure pour la plupart et qui au même tout a contribué et collaboré et nous gagne l'autre pays tout qui au fur et à mesure a venu à porter justement des ressources à offrir nous des appuis pour que nous capables justement porter aide là et aider moun yo passer cap ça passer difficulté que nous la donne. En termes d'article avec le matériel que nous recevons, nous pouvons parler de kit alimentaire, nous recevons kit d'hygiène, nous recevons de l'eau, matelas, couverture de laine, et planches, bâches en plastique, tôle, bois. Tout ça, c'est des matériels qui utilisés, que nous avons utilisés pour nous capables d'aider les gens à sortir de ça. Mais nous avons dit tout que stratégiquement, par exemple, nous recevons des bagages très symboliques, nous recevons des frigidaires spécialisés qui peuvent permettre au Centre national de transfusion sanguine capable de piper. Pas sérieux, donc c'est des réfugiés spécialisés qui peuvent être positionnés dans la zone affectée, en façon pour le secteur santé à capable de faire travailler depuis bien et bah, support bah, monde qui en difficulté. Nous remercions donc tout le monde pour solidarité et nationale et internationale là, et nous continuons de travailler là avec eux et avec tout l'autre ça qui a venu au fur et à mesure pour justement dit, pour décoller. Et entrer dans la logique de solidarité que le Premier ministre a prôné depuis le début de gestion de crise. Donc, depuis là, ça nous organise nous pour nous capables de mobiliser moyens avec ressources pour nous capoter aide là, je nous dis. Nous mobiliser justement une flotte camion entre nous-mêmes avec partenaires nous. Nous avons des bateaux qui mettent à disposition qui permettent nous d'arriver dans certaines villes portuaires, des villes côtières pour nous capoter aide là directement et peut-être plus vite. Nous avons utilisé tout hélicoptère pour nous faire des déplacements personnels spécialisés pour aider le centre d'opération d'urgence dans la zone pour nous faire travailler. Nous mobiliser PNH tout, et ça c'est notable et très important pour justement Mdakadi, nous accompagner dans la question de sécurité. Donc rapidement, en termes de détails, je suis capable de dire que automatiquement que le tremblement de terre a été fait samedi, nous organisons, nous rencontrons tout le monde et dimanche, nous faisons le premier convoi qui sortit de Port-au-Prince qui allait FAES ici faire distribution 1000 plats chauds dans la ville Okaï, dans la localité Marceline et dans Miragouane. Dans lundi, nous faisons un convoi qui est Pigo, okay, qui allait vers le sud et je nous dis, nous faisons des distributions encore dans l'Ekaï, dans la localité Namboudet et dans les NIP, dans le petit tour de NIP et Orno. Chaque zone ça a reçu une distribution 1000 plats chauds qui fait. Hier encore, FAES revient en grandance avec sa rélibération sèche, donc des manger qui peut préparer, ok, et qui un peu là d'ailleurs pour le convertir en plat chaud, un peu là d'ailleurs à distribuer directement à la population et il y a des autres distributions qui fait dans autres Akin, Corail avec Duchiti. On a continué justement font mise à jour continuelle de actions et de activités qu'a fait particulièrement par rapport à manger à j'aime parler à là puisque c'est on a besoin de base, mais c'est pas ça seulement. Et parce que on cap dit nous que parallèlement à ça nous avons des convois qui partent avec tout article que me parlé tout à l'heure là tout ça que nous recevons tôle clou bois kit d'hygiène etc. et qui allait qui distribuer directement au niveau de certaines municipalités
à Kien Saint-Louis du Sud, les Cailles et je dirais Jérémy Grandens certainement comme chef-lieu pour que justement dispatcher dans café justement vers et localité. Hier encore le deuxième jour, on a dit opération yo. Nous avons l'autre convoi, Jean-Ministre Tédia, qui sorti ici, qui est allé vers les cailles, chemin avec des quantités assez importantes. Je vais nous amener avec tout le détail, mais tout le détail, nous allons poster sur le site internet Protection Civile, et le détail, nous allons mettre à jour au fur et à mesure que le travail a fait. Donc, j'aime dire, hier, il y a un autre pigot qu'on voit encore qui est parti avec pratiquement 8 machines plus des véhicules d'accompagnement pour un acheminement de biens vers les cailles, vers Miragouane, vers les cailles, vers Miragouane, vers Saint-Louis du Sud, vers Akin et justement région des NIP. Et alors, je me dis région des NIP, Miragouane, mais et certaines localités dans les NIP. Si nous voulons rentrer un petit calme dans le détail, parce que nous commençons à recevoir rapport de distributeurs, parce que on bagaille semaine et article sous place, mais dans la deuxième partie opération, c'est fait distribution, et ça, c'est une autre partie que la municipalité et coordination départementale protection civile a fait. Et si nous sommes capables de parler, par exemple, de NIP, nous sommes capables de parler que l'asile, Baradère, Petit Trou, Ansavo, Arnaud, OK, toute zone ça yo yo recevoir justement on yo déjà recevoir en première attention, ça veut dire que il y a des distributions qui fait là-dedans, OK, en termes de rations alimentaires, en termes de kit de protection, ça les prêt là yo pour moun yo capable justement pendant la pluie ou bien dans soleil. Nous gagne justement Petite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, Miragouane, Payen, Grand Boucan, côté que j'en dis en action ça yo fait. Pendant n'a parlé là journée jodi a beaucoup là, il y a justement des convois qui t'est arrivé au cas là. Distribution yo a fait et méthodologie distribution li à deux vitesses. Première vitesse, c'est que il y a des distributions directes qui fait dans ville locale et dans localité avoisinante, mais tout il y a des distributions qui a fait du côté que nous fait municipalité yo vini directement dans côté que nous fait réception bien yo pour yo même yo aller yo opérationnaliser et distribution yo en façon pour qu'elle plus vite, parce que je nous connais, nous gain des limitations tout par rapport à logistique là lourd, faut un camion, faut un monde. Donc là nous essayer de travailler de manière avec un certain sens de proximité. Donc nous mande maire yo avec et cartel municipal yo avec comité communal protection civile yo viennent joindre et m'daka di direction départementale protection civile là qui lui même remettre yo article que m'sout parler là yo pour yo même yo capable plus rapidement arriver sous moun yo et capable justement remettre ça yo besoin en façon pour yo capable commencer protéger tête yo, satisfaire besoin de base yo et avancer sous distribution yo. Discussion que nous gagne avec justement comité national protection civile là, nous organiser nous pour nous capable mettre plus moyens pour nous faire réponse là. Donc gagne plus camion, gagne plus sécurité, mettre bateau, utiliser l'autre moyen, je dis pour nous capable arriver sous moun yo plus vite. Nous connaît des localités par exemple qui gagne problème et dans certains côtés qui viennent retrouver on t'a dit isolé, ou par exemple en ville de Coupestel côté que quai à côté que son ville côtière, donc t'a doit toujours utiliser la même, mais quai pas accessible et route pour arriver à Coupestel là li était bloqué parce que t'a gagné éboulement. Donc travaux publics a travaillé d'arrache pied pour libérer, et pour m'en parler avec nous là moi recevoir rapport que route là li libéré. Donc certainement pral gon attention spéciale qui pral mettre sous zone ça et plusieurs autres zones encore côté que nous recevons message côté que moun yo gen problème et nous connaît que tu gen des difficultés pour nous arriver sur. Voilà, nous sommes suivre bilan intervention gouvernement par rapport ensemble avec tremblement de terre ça qui passait dans zone Grand Sud, Grand-Anse ensemble avec Nord-Ouest 14 d'août qui saute passé là. Bon côté parle porte-parole la police nationale d'Haïti à Marie-Michel Verrier t'a fait connaître que toute policier qui pas travaille depuis 3 mois et qui t'a gagné notamment matériel la police a mais yo gagné jusqu'à 15 jours pour yo vinn remettre matériel ça yo, à moins que yo ta gagné ça on ta carré yo congé d'études. N'a botton des messages à Marie-Michel Verrier ensemble avec toute policier ça yo et puis n'a tourné gagné un message très important qu'a lancé. Message ça l'a lancé à toute policier, toute policier qui pas gagné un congé d'études, et ça fait plus que 3 mois que policier ça policier sa yo ta quitté travail yo sans que matériel que la police te confié yo pas retourner bay la police. Matériel yo te confié policier c'est peut-être pour le travail immédiatement ou passer yon délai matériel ça pas pour ou obligé retourner bay la police là. Si ou bay démission ou bay démission mon pas ka déplacer, ensuite matériel la police la arrêté nan men. Gen décision qui prend yo bay yon délai de 15 jours pour toute police sa yo.
retourner matériel ça yo qui nan men yo. Si toutefois ou pas de congé d'études 15 jours adressé à tout policier ça yo pour retourner matériel ça yo dans logistique PNH là. Passé de là ça PNH là a publié dans tout policier ça yo avec information qui concerne yo. Ensuite il y a poursuite judiciaire qui pral entamer contre tout monde ça yo même au niveau international. Voilà, puis devant Marie-Michel Verrier lui-même, il va faire connaître exactement que l'hôpital de la police nationale d'Haïti a qui situé col dans bon repos et bien lui ouvert porte bien large, yo façon pour ca recevoir policiers ou du moins famille policiers qui arrivé affecté dans tremblement de terre. Si là, n'a pas suivre déclaration Marie-Michel Verrier et puis n'a tourner pour nous ca continuer ensemble avec ces informations. Gen disposition qui prend par au commandement PNH là. À travers le commandant chef, M. Léon Charles, pour mettre l'hôpital central police nationale d'Haïti au service de tout dépendant policier qui frappé de séisme ou bien de cyclone qui se frappé Grand Sud. Là. Après catastrophe ça, qui passait dans la date 14 et 16 août 2021, il y a plusieurs monde dans la population qui touché, spécialement gen des policiers, des familles policiers qui touchent dans la zone sa yo. Commandant en chef là, M. Léon Charles, prend décision avec tout reste recommandement pour mettre l'hôpital central là, qui situé dans bon repos, disponible pour tout dépendant policier yo et l'autre monde qui travaille dans PNH là comme employé civil tout. Moun sa yo, y a gagné moun sa yo qui subit gros séquelles qui gagnent gros blessures, yo capable ouais avec l'hôpital Bernard Meuse. Structure l'hôpital ça a fait prise en charge pré et post opératoire pour l'hôpital central la police là. Ensuite Bernard Meuse lui-même a occupé lui de suivi opératoire yo. L'hôpital Bernard Meuse te gagne un partenariat avec la police côté le te prend en charge tout policier qui blessé. Mais pour Koulia, suite à séisme ou bien avec cyclone ça qui s'est passé, il prend en charge tout dépendant policier. Ça veut dire madame, petit, tout le monde que policier a été déclaré qui sous compte lui. Il prend en charge tout le monde ça. Et quel que soit policier qui a gagné famille qui blessé grave, il est capable de rentrer en contact avec l'hôpital Bernard Meuse pour suivi yo. Tout monde qui gagne, tout policier qui gagne, monde qui subit polytraumatisme. L'hôpital ça a une clinique externe. Il gagne un laboratoire qui est équipé. Il gagne une quantité de lits qui représente 160 comme ça pour recevoir mon yo. Il y a un personnel mixte qui est composé de policiers et personnel santé publique qui prend là pour prendre soin mon sa yo ensemble avec médecins qui a travaillé dans Bernard Meuse. Alors, tout policier informé, si yon gen moun qui subit polytraumatisme, yon capable rentrer en contact avec Bernard Meuse pour faire suivi, pour yon capable joindre soin que ka yon mérite. Voilà, qui donc tout policier qui gen matériel nan men yo, vaut mieux nous porter ou retourner puisque nous pas en fonction. Et l'hôpital là lui-même est disponible et disposé pour chaque policier ou du moins un civil qui arrivait touché par tremblement de terre si là. Nous avons sénateur Hervé Foucault lui-même bon côté parle qui fait connaître que jusqu'à présent il y a des gens qui en bas des combes et pied moun yo comme yo commencé senti moun que pour diable yo ta arrivé blessé dans tremblement de terre si là et que jusqu'à présent yo boro ka jeune médecin qui pour ta arriver sur yo. N'a rappelé que l'hôpital dans zone Jérémy, l'hôpital dans zone Dikini, presque tout l'hôpital yo même yo chargé ensemble avec rescapé tremblement de terre si là. Qui donc n'a bottant de Hervé Foucault et puis n'a tourné. Bon. Salut tous les auditeurs, téléspectateurs, salut tout le monde. À la ronde bade. Et me dit tout le monde qui a fait un travail, n'importe qui jeune, n'importe qui travaille pour aider monde dans le département là, me dit merci. Et je vois tout le monde qui est blessé pour me dire bon courage. Je devais au commencement, n'importe quelle interview, je fait pour me saluer docteur, infirmier, aide infirmier qui font travail, qui ont aidé mon là. Parce que des fois, il faut encourager mon Dieu, il faut dire merci. Après 5 jours,
Mais même pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que même je ne suis pas dormi pour ça. Après 5 jours au commencement, dès qu'on voit mon Alporto Prince. Continuez à voir mon Alporto Prince parce que c'est seul moi et MTK pour me sensibiliser mon Alporto Prince. Je vois mon qui est malade, qui vraiment cassé, que je connais et que nous gardons là, nous vérifions là, que nous connaissons que nous n'avons pas pour eux. Parce que Okaï s'est ciblé sur le café et c'est avant hier à 4 orthopédistes, je ne suis pas satisfait même de bail. Et même, je suis un bon côté PAM pour me faire avec voix PANO, avec voix toutes les autres médias. Pour nous garder qui vient d'être sensibilisé. Ni étrangers, ni nègres locaux pour comprendre qu'il y a une urgence dans le département. Mais même, Mabdo, depuis 3 jours, je monte un hélicoptère déplacé. Je suis dans tout le côté avec Blanchot. Je vais la caméra là, tout le côté avec Blanchot. Tout le côté avec Blanchot là, on est en bas. Parce que l'heure 8h du matin, 9h du matin, c'est le monde à l'embête. C'est les habitants à l'embête. Où est ça là? N'a pas cherché. Hier finalement, dans la 3e section Formont, nous avons déterré 2 personnes qui sont en bas de compte. So, toujours, j'aime douloureux. Il y a un problème. Jusqu'à présent, là, quand on parle de l'hélicoptère, là, c'est vous qui avez un hélicoptère à prendre. Les gens descendent parce qu'il y a un peu de monde en haut. Pour moi, nous, tout le monde est en descendant en bas. Quand on a nous le prêtre, nous avons ramassé le prêtre pour entrer ici. Nous avons 8 personnes. Il y a un peu de 7 en haut. Nous avons 8 personnes. Ça veut dire que ouais. Et problème qui fait mal, le monde est à 10h du soir et soir, nous dit mes pieds malades ont commencé à sentir. Depuis pieds malades, ont commencé à sentir problème. Hier, m'obligé, excusez-moi, je ne vais pas dire ça pour me bagarrer tête, je ne vais pas dire excusez, mais un peu. Hier, m'obligé là, antibiotiques, te manque antibiotiques pour les gens là. Moi, je prends un avion, pour prendre un avion, par exemple, vous voyez Saint-Domingue, tu as un monde qui t'a un antibiotique, qui tout vient avec tel groupe qui vient avec un antibiotique, pour tout porter dans le monde, parce que depuis que nous prenons pour nous battre antibiotique, parce que puis il a commencé à sentir. C'est des petits bagages qu'on a que l'autre, moi, depuis que j'aime sentir, je voulais montrer. Voilà, Moïse Jean-Charles même ailleurs, il était dans le Grand Sud là, yon façon pour constater que quantité de dégâts que le tremblement de terre lui même lui fait et qui Jean lui même l'a capable porter aide lui by moun qui dans le Grand Sud. Et il était tout profiter tout parler ensemble avec yo sous Bitgood, l'agent électronique ça que Moïse Jean-Charles lui même lui décidé pour mettre sous marché à côté 600 Bitgood à égal $1 américain. Qui donc a plusieurs militants ont accueilli Moïse Jean-Charles, ça qui était venu pousser médecin yo qui était dans l'hôpital au Fatma, te mande Moïse Jean-Charles à tout militant yo puis on te font sortir puisque ça t'est venu créer yon tohu bohu en dans l'hôpital là. Or, il y a plusieurs patients qui arrivaient blessés, qui te besoin ça ou t'en carré. Yon calme. Premier ministre Ariel Henry lui-même, bon côté parle, fait connaître qu'il va commencer à installer des tentes ensemble avec des bâches en dehors des villes. Yon façon là pour moun sa ou même, yon ka fait yon déplacer en attendant que yon arrive reconstruire Kayo. Ingénieur Claude Prepsi lui-même, il a mis tout le monde en garde qui a Kayo qui fissuré. Et qui commence à prendre ciment pour coller pièce, puisque c'est un plus gros danger qui est actuellement là dans la zone Grand Sud, là, ensemble avec Gredas. Côté dans Gredas, il y a un pont qui arrive, tombé et population lui-même, il n'y a pas faire rien dans ça, et toute aide qui a rentré, obligé de passer dans la rivière Gredas. Nous avons DG Michel présumé qui est en tête EDHA qui décide de remettre démission puisque il y a quelques principes qui n'ont pas arrivé, accompli, pas arrivé, accepté. Tant que les consommateurs ont un service qui est vraiment équitable et porter consommateurs ça autour, ils ont une façon pour payer le service pour les gens qui ont fourni. Comme notamment, ils n'ont pas arrivé à faire ça, alors ils sont obligés de remettre démission dans la tête EDHA et d'après plus que dans la tête EDHA depuis janvier 2020. Pays Colombie, bon côté parle, après plusieurs sauveteurs qui étaient venus aider dans le tremblement de terre 14 août 2021, magistrat Jérémy a fait la population courir derrière si la police nationale d'Haïti qui est arrivée sauver eux. Et mais ils fait connaître que n'ont pas d'accord causé pour ces collectifs ça que la police nationale d'Haïti
a parlé de lui, hein, faisant croire que c'est un procès collectif qui pour fait ensemble avec 18 Colombiens Sayo qui n'en prison à cause assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse, qui donc y a essayé jouer une autre façon, une autre solution, puis Ottawa, est-ce que Patagé une autre manière pour procès à lui-même li fait, puisque procès collectif là li pas d'un avantage pays Colombie du tout. C'est toute information ça que t'ai porté pour aujourd'hui. Merci d'être continué à liker, commenter, partager et merci d'être continué à inviter en famille à vos amis, restez connectés avec TAC 609, il y aura des bonnes informations. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis. Bye bye.